Racontez-nous la genèse, justement, de ce livre. Eh bien, c'est une longue histoire. Je pense qu'au début, je voulais tester un petit peu certaines hypothèses d'une mission martienne, et je voulais donc approfondir les questions. Et j'ai donc commencé à rédiger une histoire. Et puis, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, et puis j'ai commencé à rédiger un roman, un véritable roman. Alors ça m'a pris quand même en vérité 10 ans, pratiquement, même peut-être plus, hein, je pense. J'ai pas arrêté pratiquement de supprimer des chapitres, d'en remettre d'autres, d'approfondir, de supprimer, de remettre. Et puis voilà, donc ça m'a pris environ une dizaine d'années, même je pense donc un peu plus maintenant, pour arriver donc au bout de cette genèse martienne. Et donc ça m'a permis d'approfondir des questions, mais aussi de me prendre au jeu du roman, de science-fiction, et voilà. Avez choisi d'être scientifiquement juste. Est-ce le cas dans tout le livre ou avez-vous fait quelques arrangements avec la science pour les besoins de l'intrigue à l'image de Seul sur Mars, Andy Weir? Alors j'ai essayé d'être scientifiquement plausible dans tout le livre, de A à Z, dans tout le scénario de la mission. Et alors c'est peut-être pas toujours faisable, c'est-à-dire qu'en fait si on regarde dans le détail, peut-être qu'en vérifiant et en posant la question des spécialistes, peut-être qu'ils auraient des choses à redire, mais en tout cas, j'ai essayé d'être scientifiquement plausible tout le temps. Vous avez choisi d'utiliser le principe de voyage en 2-4-2 que vous avez mis au point. Est-ce une forme de mise à l'épreuve théorique de votre principe ? Donc au départ, je voulais effectivement approfondir les différentes phases de ce scénario, et la meilleure façon, à mon sens, de s'y prendre, c'est effectivement de réfléchir à une mission de A à Z, et donc avec le décollage, la mise en orbite, le voyage interplanétaire, l'arrivée sur Mars, et même aussi l'exploration sur la surface martienne et le retour. Et donc j'ai réfléchi à ce scénario à travers ce roman de science-fiction. Alors c'était donc effectivement une façon de tester un petit peu la plausibilité et les problématiques scientifiques de ce scénario. Mais bon, en même temps, bon, c'était aussi, bon, il faut le dire, un roman de science-fiction. Donc bon, il n'y a pas que le test de 4-2. C'est aussi une façon d'écrire une histoire, une aventure humaine. Les Français et les Allemands seuls face au reste du monde pour lancer la première mission humaine vers Mars. Est-ce seulement possible? Et surtout, peut-on l'espérer? Donc, oui, je crois que c'est possible. C'est-à-dire que si on regarde le PIB de la France et de l'Allemagne, il est sans doute à peu près comparable au PIB américain. Donc, d'un point de vue budgétaire, c'est sans doute possible. Il faudrait faire en tout cas évidemment un effort, mais en tout cas c'est un effort comparable peut-être à celui qui avait été fait par les Américains pour aller vers la Lune. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça pourrait se faire? Est-ce que j'y crois? Personnellement, je n'y crois pas trop, parce que les responsables politiques français actuels et franco-allemands ne sont pas trop concernés par l'exploration spatiale. Un des plus gros risques sur ce type de mission, c'est le facteur humain. Comportement, psy, etc. Nous savons d'expérience, les simules longue durée en Russie par exemple, que les plus gros conflits apparaissent entre l'équipe sur Mars et le contrôle sur Terre. Vous avez mis l'accent dessus tout au long du livre. Est-ce une forme de mise en garde à destination des missions futures? Alors oui, la problématique des facteurs humains est très importante. Il faudra prendre en compte cette problématique dès le départ. Et effectivement, c'est un risque, c'est un des plus gros risques de la mission. En même temps, à mon sens, ce n'est pas le plus gros risque, et je pense que ce sera gérable. Mais si donc je mets l'accent beaucoup sur les facteurs humains dans ce bouquin, eh bien c'est surtout aussi parce que il s'agit d'une aventure humaine, et donc les petits problèmes humains, eh bien font partie de l'aventure, et c'est ce qui rend peut-être aussi le roman, enfin un peu de piquant dans ce roman, et c'est ce qui rend, à mon avis, ce roman passionnant. Parlons des démonstrations technologiques. Vous insistez dessus tout au long du roman, les désignant même comme l'argument majeur justifiant une colonisation martienne. Pourquoi? Alors effectivement, je pense que c'est un point extrêmement important.
D'un point de vue scientifique, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'il est possible, sur le long terme, de maintenir une présence humaine sur Mars? Et donc, les démonstrations technologiques sont là pour tenter de démontrer que c'est possible. Donc, je mets l'accent sur ces démonstrations pour essayer de montrer qu'il est possible, bien, par exemple, de maintenir un air respirable, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'énergie, et de produire, pourquoi pas, des outils et des objets du quotidien sur Mars. Quand pourrons-nous lire la suite ? Je suis en train d'écrire le tome 2. Je ne suis pas écrivain à temps complet, donc peut-être que le tome 2 sortira, je l'espère, au début de l'année 2017, mais peut-être que ce sera un peu plus tard, donc on verra bien.